Nous vous indiquons aujourd'hui comment déposer et reposer la batterie additionnelle pour la fonction Stop-Start Eco de la nouvelle classe V. Afin d'accéder à la batterie, commencez par avancer le siège passager jusqu'à la butée. Faites également de la place derrière le siège. Cela vous facilitera la tâche lors des étapes suivantes. Démontez le volet du caisson de siège à l'arrière. Desserrez l'écrou indiqué afin de démonter le support. Retirez la protection en mousse. Enlevez les deux écrous du relais d'arrêt-redémarrage afin de l'extraire de son guidage. À présent, déplacez la batterie additionnelle vers la gauche jusqu'à ce que vous accédiez à la borne négative. Décontactez le câble de masse de la batterie additionnelle. Une fois fait, retirez la vis de la borne positive et retirez également le câble plus. Vous devez également enlever le tube de ventilation de la batterie additionnelle. Après avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, vous pouvez sortir la batterie additionnelle du caisson de siège par le haut. Effectuez un contrôle visuel. Si vous détectez un défaut d'étanchéité de la batterie, remplacez-la. Pour le remontage, placez la batterie additionnelle dans le caisson de siège. Remettez le tube de ventilation en place. Positionnez le câble plus sur la borne positive de la batterie additionnelle et serrez la vis. Effectuez le reste du remontage en procédant dans l'ordre inverse.